Salut à tous, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc on continue le petit let's play de Mario 64, on en est donc à 35 étoiles. Et ben on va aller en chercher quelques-unes, en espérant qu'on va pas trop galérer, car on monte de plus en plus en niveau. Donc, alors, on était donc dans la cave. On va y retourner. On va aller chercher. Non, le fantôme, on verra un petit peu plus tard. On va en chercher une plus tard. Ici, c'est la grosse étoile, on verra après. Donc, on avait découvert donc la pyramide et le monde du feu. Ben, on va y retourner. Allez, on va en faire une dans le feu. Voyons ce qui nous attend. Pousser les petits moches. Allons-y. Est-ce que c'est tous les petits moches ou un seul? Ça doit être ce genre de choses là. Mais je ne pense pas que ça soit lui. Est-ce que c'est au même endroit que. Peut-être. On va voir par là. J'ai dit ça. Passer par là. C'est peut-être eux. C'est pas vu. On va essayer par là. On va essayer de passer par là, comme ça. J'ai esquivé là. Dommage, il n'est pas tombé. Ben. On commence. Deux. On essaye. Trois. Ouf. Là, celui-ci n'est pas vraiment petit. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il est. Hop, l'attaque rodéo fonctionne très bien. Ah bah oui, c'était bien lui. Enfin, je suppose. Et ben voilà. Ce qui nous fait 36. Pousser les petits moches. C'était bon, c'était bien celui-ci. Allez, on sauvegarde. On y retourne. On va essayer d'en trouver deux. On retournera peut-être dans la pyramide. Puzzle de 8 pièces rouges. Alors ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Il y a un puzzle de Bowser avec les pièces rouges un peu partout. C'était par là. Elles sont là. Hein. Il va falloir faire très attention de ne pas tomber. Caméra qui arrive dans l'autre sens. Non. Ok. Bah voilà, ça va, c'était pas trop compliqué, il faut juste faire attention aux plateformes quand elles bougent. C'est pas la plus difficile. Elle était cadeau celle-là. Donc, puzzle de 8 pièces rouges. C'est fait, on en est à 37. Allons voir ce qui nous attend encore. Lave fatale, balade sur la bûche. Pas du tout souvenir de ça.
balade sur la bûche. Où est-ce qu'il y a une bûche? Il me semblait avoir fait tout le tour. Ce serait pas par là, par hasard? Non. On va aller voir, on va visiter. Hein. Elle va bouger ma caméra comme il faut. Laisse-moi passer. Il veut pas. On va récupérer un peu de vie grâce à l'œil. Hop. Alors par contre la bûche, où est-ce qu'elle est? Je vois pas du tout. On va essayer par là. Hein, pas de bûche par là. C'est une cage. Essayez. Ici, il n'y a absolument rien. On va cesser. Attends que le volcan s'arrête. Il y a une vie. J'ai le droit de faire attention à ce que je fais quand même. C'est peut-être par là. Ah, il y a une plateforme de plus là. La voilà. Donc c'est peut-être par là. Ouf, ok. Ah, il faut éviter les flammes, évidemment. Et... il faut emmener le rondin, d'accord, ok. Pas du tout souvenir de ça. On va recommencer, c'est dans l'autre sens que je veux qu'elle tourne. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis mort d'un coup en plus. J'étais passé sous la bûche, il me semble. Allez, on y retourne. Maintenant que je sais où c'est. Ok, jusque là, ça va. Fais attention où était la flamme. C'est foutu. J'ai pas fait attention où était la flamme et voilà. Si elle était à gauche ou à droite. On recommence. Je fais n'importe quoi là. Je veux gagner du temps et j'en perds. Là, on va maîtriser tout de suite le Mario. Alors, cette fois-ci, on va tourner la caméra. Donc, elle est à droite. Donc, on va se mettre à gauche. Ok. Donc,
On va se mettre comme ça. Non mais, Mario. Ok. Ensuite. Ah, tout simplement. Je me suis bien compliqué, hein. J'aurais dû prendre plus mon temps. Balade sur la bûche. Ok. On sauvegarde ça. C'est quand même pas mal. On va aller récupérer quelques vies, tiens, très rapidement. Je sais plus où c'est pour ressortir. C'est par là. Suffit de retourner. C'est pour éviter le game over. Et refaire absolument tout. Ici. Alors, on a une vie ici. Ah, je l'ai loupé, dommage. Ah, j'ai tout loupé. Allez, on repart. C'est pas grave, on y retourne très rapidement. Ça évite les game over, hein. Il suffit que vous fassiez ça. Surtout dans les derniers niveaux, je vous conseille de le faire justement. Ça vous permettra de vous entraîner et entraîner si vous trouvez une étoile trop difficile à avoir. Et c'est très simple de récupérer les vies. Et on se jette dans le vide. Et ainsi de suite, hein. Vous pouvez monter comme ça indéfiniment. Ce qui est quand même un sacré avantage. Une fois que vous avez découvert ce monde. Voilà, allez, ça devrait suffire, c'est pas la peine d'en faire plus. Ici, pourquoi les pièces? C'est tout simplement pour avoir une vie aussi. Si vous l'attrapez, si vous réussissez à avoir les pièces, ça vous donne une vie. Une ici. On va essayer d'éloigner un peu la caméra, parce que c'est pas l'idéal. Un peu plus à droite. Voilà. Et là, ça vous fait tomber une vie. Il suffit de la récupérer. Voilà. Donc, bref. Maintenant qu'on a récupéré assez de vie, on va aller maintenant dans le monde du désert. Le pauvre. Je le massacre. Il va avoir des bleus. Non, non, alors c'est pas ça que j'ai demandé, c'est un salto. Il veut pas se tourner. Tourne-toi, voilà. Alors, le monde du désert. C'est la gauche du monde de feu. Ici. Au sommet de la pyramide. Alors. Je peux pas voir là du tout. Ok. N'est-ce pas? Ah oui, d'accord, elle est là. Ouf, je me suis récupéré là. On va monter.
Par contre, pour y aller, il vaut peut-être mieux prendre la carapace, ça serait plus judicieux, je crois. Allons-y. On va tourner un peu la caméra là, c'est catastrophique. Voilà. Ok. Et on va y aller avec la carapace, c'est beaucoup plus simple. Juste que je fasse attention. Par petits à-coups. Tout simplement. Au sommet de la pyramide, donc c'était la bonne. Sauvegarder et continuer. Bah oui, 39. Ça avance, ça avance. Allez, allons voir la prochaine. Dans l'ancienne pyramide. Donc ça doit être à l'intérieur cette fois-ci. Bon, on va y aller avec la carapace. Hop, on va faire comme tout à l'heure. Par ici. Hop. Par contre. Bon, pour l'annuler, il suffit de faire l'attaque au déo, la carapace. Tant pis pour la vie. Et on va à l'intérieur de la pyramide. Je crois que c'est ici. À l'époque, j'avais trouvé ça super, quoi. C'est magnifique. Plus le fait que ça soit relissé. De revoir là, j'ai vraiment la nostalgie de refaire ce jeu, c'est vraiment super, j'adore, même si la difficulté est encore là à cause de la caméra, c'est pas sa maniabilité en proprement dit, on va dire c'est l'orientation de la caméra qui est plus difficile. Alors, est-ce que c'est à droite? Hop. Non, c'est pas par là. C'est de l'autre côté. Il faut aller jusqu'en haut. Par ici. Ah, il y a une ombre. Oui, on peut sauter. Je vais me souvenir. Hop. On va recommencer. Petit raccourci. Toujours dans le dos. Il saute. Hop. Et évite de tomber. Alors, c'est quelle touche pour maintenir dans la grille. Ah. Ok. Ah oui. Hop. Là, il y a une petite. Bon, soit on passe par-dessus. Soit on passe par le petit passage comme ça pour l'éviter. Ensuite. Un petit cœur, par contre, ça monte encore comme ça. Ok, et ça monte encore haut. Hein. Ça, c'est pour se remettre de la vie. On se fait très mal. Alors, on se dépêche et les boules électriques. Continue de monter. Hein. Un étage plus haut. Alors, où est-ce qu'on est là? Elle est là. Hein. Je pense que c'est cette étoile-là. Mmh.
se laisser promener, pas se presser, tranquille. Voilà. Et on va monter avec de l'élan là parce que la pente est assez inclinée. On attend que la caméra se replace. Ok. Et voilà. Je pense que ça doit être celle-ci, je suppose. Et ben voilà, 40, hein, quand même. Dans l'ancienne pyramide. Est-ce que c'était bien celle-là? Oui, je crois, hein, je sais plus. Pas fait attention. On y retourne. Oui, les quatre piliers à la fois. Les quatre piliers à la fois. Oui, ça je me rappelle très très bien. C'est les piliers sur lesquels on marche là. Qui sont rouges là. Alors. Il y avait un pareil, même astuce. On va... Hop. On va prendre la carapace comme d'habitude et on va essayer d'y aller doucement. Il faut aller au sommet des quatre piliers de souvenir et ça ouvre un passage. Alors, il faut faire attention aux tornades. Et voilà la chose que je voulais pas. Donc, allez, monte. Donc voilà, en voilà une. Par contre, je sais pas comment obtenir. Est-ce que je peux l'avoir par... On va attendre l'ennemi, là. Est-ce que pour aller sur ce pilier-là... Peut-être si je peux m'aider. Voilà, je vais m'aider des tornades. Ouais, non. Non, le mieux c'est vraiment avoir la carapace et pas tomber par les tornades, donc il faut pas attendre en fin de compte. Alors, on y retourne. Hop. Je sais pas s'il faut récupérer ou pas les pièces. Je sais qu'il faut rester un laps de temps, je crois, au sommet des tours. Essayer, hein. Ça fait 3. La quatrième tour. C'est ça. Ça s'est ouvert. Par contre... Voilà, on voit bien le sommet qui est cassé. Je crois que c'est ça. Non. Voilà, je voulais absolument regarder tranquillement. Bon, c'est ça, hein. Et je crois qu'il faut aller tout simplement au sommet. Et l'étoile nous y attend. On y retourne. Ah, un petit peu de difficulté, logique. Hein. Bon, ça serait pas amusant quand même. Ça serait trop facile. Un peu de challenge. Donc on voit bien le sommet de la pyramide. Ok, jusque là. Ok. Ok.
sais pas s'il faut les pièces ou pas. Je crois pas. Ok, jusque là c'est bon. On va voir la quatrième. Ouais, c'était... Non, il faut tout simplement attendre un laps de temps. On va y aller. Donc le sommet, voilà, est cassé. Alors par contre, comment aller au sommet, je me rappelle plus. Je crois que c'est comme ça. Autant céder de la flamme, hein. Mais je crois qu'il suffit de tomber ici. Je crois. Hein. Je pense que c'est ça. On laisse la caméra. Là, il faut attendre que l'ascenseur s'arrête. Il me semble que c'est ça. Voilà, donc là, il y a une ouverture. J'ai plus très souvenir de ça. Ah oui, il faut frapper les nonneuils dans les mains. Qui dérange mon sommeil éternel? Tout bruit doit être puni. Intrus va être détruit. Combat à main nue. Ok. Mal. Ok. Va très vite. Par contre, la caméra... Ah, oh, c'est vraiment dommage. La caméra était vraiment... pas assez éloigné, j'ai essayé à deux fois de la faire reculer. Ok, est-ce que... Ah oui, ça bon. On revient tout simplement sur les mains. Voilà. C'est dommage, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de repositionner la caméra en éloignement total. Là, on la rapproche. Voilà, là on est un peu mieux, c'est éloigné. Allez, on essaie de faire un peu plus attention. Suffit de faire un coup là, un coup l'autre. On va faire attention. Souvenir là. Bon voilà. Que un moi perdu, un moi faible, nul. Toi nouveau pharaon. Tiens, pour toi, moi dormir, dodo, ciao. Ok. Bon, bah voilà. Bon, heureusement qu'on refait pas tout le parcours quand même. Ce qui nous fait 41 étoiles et 4 piliers de la foi. Ok. On sauvegarde. Et ben on va s'arrêter là parce que je vois qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Faut pas que ça soit trop longuet. Et on continuera sur une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce et aussi le petit abonnement pour suivre mes prochaines vidéos, que ce soit sur Mario ou autre. Allez, à très bientôt. Bon jeu à vous.